Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Enjeux politiques. La formule est galvaudée, elle prête souvent au ricanement et pourtant elle mérite qu'on s'y intéresse vraiment. Le vivre ensemble, dans une société qu'on dit toujours plus fracturée, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous rassemble? Choisir de vivre ensemble en paix, c'est justement le titre du premier chapitre du texte des évêques de France, « L'espérance ne déçoit pas », signe de l'intérêt particulier que porte l'Église à la question de l'unité nationale, à travers les notions de bien commun, de fraternité ou encore de l'amour de la patrie. L'unité nationale, au cœur de cette élection présidentielle, c'est surtout un point de débat et de clivage entre les différents candidats. Et nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole à différents élus de terrain. Vous en connaissez certains, mais je vais commencer aujourd'hui par les nouveaux. Roderick Ars, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Malakoff. À la maire de Malakoff, oui. Pour Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Cyril et Marc Dunker, vous êtes conseiller régional Reconquête du Centre Val-de-Loire. C'est bonjour. Ça, bonjour. François Garret, bonjour. Vous êtes bonjour. Le maire d'Hiver Gauche au Mureau dans les Yvelines. Bonjour. Soazic Perrault, vous êtes vice-présidente Les Républicains du Conseil départemental du Morbihan. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Thomas Rudigoz, bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Rhône. Bonjour. Merci d'être venu ce soir. Pour commencer, j'ai envie de me tourner vers vous, François Garret. Vous êtes le maire des Mureaux. Et on s'en souvient, c'est vous qui avez accueilli le président de la République en octobre 2020 pour son discours sur le séparatisme, qui est un temps fort de son quinquennat. Alors, les Mureaux, est-ce que c'est la ville symbolique du combat républicain contre le séparatisme, selon les mots que le président de la République lui-même a prononcés? Je crois que le problème du séparatisme est plus large qu'uniquement que le discours qu'il a pu faire au Mureaux. C'est une discussion qu'on a eue ensemble avant son discours. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question en France, il y a un terme qui va peut-être choquer un peu les personnes qui m'entendent, c'est la notion de la tribalisation de la France. Et quand je parle de la tribalisation de la France, c'est toutes les tribalisations. Ça peut être aussi bien par les cultes, ça peut être aussi bien par l'habitat, ça peut être aussi bien éventuellement la population du 5e arrondissement de Paris n'est pas la population du 18e. Ça peut être aussi par les systèmes éducatifs, on le voit bien dans les écoles. Et je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui comment on a cloisonné et comment ces cloisonnements peuvent amener justement au séparatisme. Alors, dans le discours du Mureaux, il cible précisément le séparatisme de l'islam radical. Alors, si vous voulez, il faut séparer, il faut faire attention. Il y a l'islamisme, l'islam, etc., c'est différent. Aujourd'hui, je pense que par rapport au séparatisme, il est évident, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le problème religieux, parce que ça, c'est quelque chose qui est un constat de société en tant que tel, mais pas d'aujourd'hui. Par exemple, à midi, je déjeunais avec un ministre libanais qui m'expliquait aussi à Beyrouth comment ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui, cette notion de vivre ensemble en tant que tel, c'est comment à la fois, je dirais, par rapport au culte et non-culte, et c'est comment on est capable de vivre en tolérance. Et le vrai problème du séparatisme aujourd'hui, c'est qu'on a laissé partir certains sur des voies sans issue, et dans lesquelles notre République n'a pas été assez forte pour que toutes ces personnes soient intégrées dedans. Ce discours sur le séparatisme, il s'imposait, Soazic Perrault ? Il s'impose, évidemment, mais c'est surtout, la différence entre le discours et puis les actes. Je prends des choses récentes, les hijabeuses, sur lesquelles il y a eu des positions différentes au sein du gouvernement sur le port du voile pour des jeunes femmes ou des jeunes footballeuses, sur lesquelles il n'y a pas eu de discours franc et clair. Donc on est toujours dans ce « en même temps » qui crée justement toutes les séparations, et on le vit sur nos territoires. On sépare, et c'est ce qui fait, c'est ce qui produit aussi... les difficultés à vivre ensemble, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, vivre ensemble, c'est assez galvaudé aujourd'hui, c'est une expression à la mode pour faire bien, il y a beaucoup d'incantations derrière tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors quand on a des discours flous, quand on n'a pas des positions très claires, comment est-ce qu'on peut, sans cette exemplarité, nous mener à bien vivre ensemble? Cyril Mardinker. Le séparatisme, pour moi, alors si je prends l'exemple notamment des Mureaux ou d'autres grandes villes, je connais particulièrement bien puisque j'étais policier dans les Yvelines, il vient certes de l'islam radical, mais il vient également du laisser-aller que l'on a eu pendant de nombreuses années avec une
trop grande tolérance par rapport à ce que d'aucuns nommaient autrefois la voyoucratie. Aujourd'hui, vous avez de véritables systèmes économiques parallèles qui se sont mis en place dans les cités, avec le trafic de stupéfiants notamment, et des exemples de réussite sociale au sein du trafic de stupéfiants qui ont créé des modèles de société déviants. Et les personnes qui naissent dans ces modèles de société y adhèrent, ont des carrières déviantes, au sens sociologique du terme, et il est très compliqué de les rattraper et de les remettre en place dans le système national. Comment vous allez expliquer, par exemple, à un jeune chouf, c'est-à-dire un jeune guetteur, qui va avoir 12 ou 13 ans, qui gagne 100 euros par jour pour juste être assis sur une chaise et crier « Ara » quand la police arrive, comment vous allez lui expliquer qu'il doit faire des études et se lever à 6h30 le matin pour aller gagner le SMIC? C'est très très compliqué. Et le problème que l'on a chez nous, c'est que cette voyoucratie, ces systèmes d'économie parallèle, se sont liés progressivement au fil des années avec l'islam radical. Et l'islam radical a réussi une chose qui est quand même assez phénoménale dans les quartiers, c'est qu'ils ont réussi à s'imposer, à imposer leur ordre, leur discipline aux dealers. Et c'est un phénomène assez récent qui s'est beaucoup observé, que moi j'ai observé dans ma pratique professionnelle en 2015 et que j'observe aujourd'hui dans ma pratique politique, c'est que ça déstabilise complètement l'ensemble et donc ça déstabilise toute possibilité de revenir à l'unité nationale. Roderick Arz, vous voulez réagir sur la voyoucratie, le laxisme de l'État ? Je ne vais pas répondre sur la voyoucratie parce que c'est un terme que je n'aime pas. Je vais parler de choses positives. Moi, je suis élu à Malakoff. Et à Malakoff, on est ravis d'ailleurs d'accueillir Catéo qui est installé chez nous. Et l'important, ce n'est pas de dire, l'important, c'est de faire. L'unité nationale, elle se construit. Et pour construire, eh ben, il faut faire. Et dans notre ville, à Malakoff, 30 000 habitants, ville de banlieue parisienne, nous avons 42% de logements sociaux. Et on en est fiers. Et dans notre ville, l'unité de la ville, l'unité, l'identité de la ville, on l'a construit. Et beaucoup de villes, et je pense en particulier beaucoup de villes ont perdu des moyens. Et ça, c'est la faute un peu d'une nouvelle politique de l'État, mais les moyens servaient à faire des choses concrètes. Nous, à Malakoff, on a choisi de garder des centres de vacances. On a 4 centres de vacances. Les enfants partent en vacances ensemble. Et pourtant, il y a la gentrification. Cette ville évolue. Il y a une nouvelle population qui arrive. Et il n'y a pas de clivage. Mais c'est un travail quotidien. Il n'y a pas de clivage à Malakoff. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de clivage à Malakoff. Quand vous avez à côté, dans le centre-ville, le marché du centre-ville, tout le monde s'y côtoie. Nous n'avons, bien sûr, on a des bandes de jeunes, mais dans les bandes de jeunes, il y a tout. Il n'y a pas uniquement des gens des cités. On avait, il y a quelque temps, des scooters brûlés dans la ville. C'était il y a quelques années. Il y a eu une enquête de police, des jeunes brûlaient des scooters le soir. Acte purement gratuit. L'enquête a trouvé les jeunes. C'était des jeunes de bonne famille qui s'ennuyaient et qui faisaient des conneries. Donc, je ne nie pas le problème. Je dis donc qu'à un moment, il faut prendre une dimension différente et ne pas stigmatiser. Vivre ensemble, c'est construire. Je voudrais juste rebondir sur cet exemple, si vous me le permettez. Est-ce que je peux parler? Oui, d'un mot, puis après vous rebondirez. Pas de souci. Non, juste si je peux m'exprimer aussi, puisque je crois qu'il y a un tour de table. Exactement. Moi, je trouve là, les deux derniers intervenants, il y a un peu un excès, peut-être un excès de naïveté, ou peut-être pas de naïveté, mais de volonté de positiver, j'entends ce que vous voulez dire. Puis d'un autre côté, un excès de noircir un tableau. Même si, je pense qu'il y a une réalité, on ne peut pas la nier, on le voit dans nos quartiers, dans nos différentes villes. Moi, je suis lyonnais, à Lyon, on a des véritables problèmes, on le voit, on en parle souvent au niveau national, de la Guillotière, mais il n'y a pas que la Guillotière, malheureusement, où nous avons des soucis de violence et de cette perte, peut-être, de... J'aime pas le terme unité nationale. Pour moi, l'unité nationale, on en a besoin, certainement en ce moment, avec ce que nous vivons avec la guerre en Ukraine. Mais je parlerai de la cohésion nationale, de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, elle s'est effectivement, au fil des années, comment dirais-je, elle a perdu de sa force. Je pense qu'il n'y a pas une responsabilité à donner à telle ou telle famille politique, parce qu'elle est assez partagée, on le voit, même dans des communes qui peuvent être gouvernées, gérées par des sensibilités complètement différentes. Hein. Même ceux qui se disent n'avoir jamais été aux affaires, ils ont eu, je pense, au RN, ils ont eu des collectivités à gérer, et je ne crois pas qu'ils aient fait des miracles pour autant. Donc on a cette problématique d'une jeunesse perdue. C'est ça aussi le problème, c'est cette jeunesse qui est complètement perdue et qui est certainement effectivement récupérée par des prêcheurs de l'islam radical. Je rejoins complètement François sur le fait de ne pas tout mélanger. Nous avons des bons musulmans qui font un travail extraordinaire aussi pour la cohésion sociale, pour l'unité sociale, et puis d'autres qui sont partis dans l'extrémisme. Et
Il y a une chose qui est sûre, pour rebondir sur ce que vous disiez à Malakoff, moi, quand je vois bien la configuration avec cette part de logement social. C'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans ces cités, dans ces banlieues, mais on l'a vu, nous, on l'a vu dans la région lyonnaise, il a fallu à un moment donné faire baisser le niveau de logements sociaux dans certaines communes, comme Vaux-en-Velin, comme Vénissieux, pour que l'effort soit partagé, parce que ça, c'est un véritable malaise, je pense, quand même, dans nos sociétés. Tous les problèmes sont des fois, depuis trop longtemps, fixés dans les mêmes quartiers. Mais par contre, il faut aussi avoir dans ce cas-là le sens du partage et le sens de la solidarité nationale. Et ça, c'est très très difficile à faire. Donc vous voulez qu'on respecte la loi SRU. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Il faut même la renforcer. Je pense aussi, oui, voilà. Tout à fait. Alors, par rapport à cela, je pense qu'il y a quand même un pilier qui est la laïcité. Et je le dis souvent, la laïcité, c'est l'affaire de tous. Et le spirituel et le non-spirituel, c'est l'affaire de chacun. Le problème aujourd'hui, les laïcs ont complètement abandonné le terrain. Alors quand je dis laïcs, toutes les forces constitutives en tant que telles. Et c'est vrai que souvent, on se dit l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, c'est jamais 850 heures par an sur 150 jours. Et il y a tout ce qu'on a abandonné, mais depuis plusieurs générations politiques, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire, et dans lesquelles, dans cette éducation populaire, et vous le disiez, par rapport au centre de loisirs, par rapport à toutes les activités sportives, etc., je crois qu'il faut véritablement qu'on soit capable de donner un sens éducatif à sa vie à travers l'éducation et l'éducation populaire. Et bien évidemment, l'activité. On peut encore être dans les grands discours. Comme, voilà, il faut faire, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et là, je vous rejoins sur ce point, parce qu'effectivement, comme l'a dit Thomas Rudikoz, il y a le discours radical d'un côté, et puis il y a le discours beaucoup plus déni de réalité. Aujourd'hui, moi, je suis enseignante aussi de lycée professionnel, je le vois, hein, le séparatisme social. Hein, on va parler de... Alors maintenant, on dit CSP parce que ça fait mieux, mais finalement, les classes sociales, la lutte des classes, et aujourd'hui, on n'a jamais été... Moi, je le constate, ça fait 20 ans que j'enseigne, je le constate au quotidien, cette lutte des classes, finalement, où on a des écarts de société qui se creusent, notre modèle social ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait pour le sauver? Comment est-ce qu'on, finalement, on redonne, on replace cette... C'est ça aussi qui fait le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on encourage aussi ceux qui donnent du sens, et comment est-ce qu'on encourage le travail sur nos sociétés qui permettent justement d'avoir moins de divisions? Alors, Cyril et Marnaka, pour finir. Alors, j'aimerais revenir point par point très rapidement sur l'exemple que vous donniez, où ça peut être des jeunes de bonne famille qui habitent, qui ont plus le profil du 16e arrondissement, on va dire, que des cités, des muraux. Certes, je pense qu'il y a de la délinquance. J'ai pas parlé du 16e arrondissement. Non, non, c'est moi qui donne l'exemple. Là, c'est moi qui caricature. Certes, il peut y avoir. Non, je simplifie. Il peut y avoir de la délinquance partout. Hein, c'est pas du tout mon propos. D'accord. Juste, il y a une réalité observer sur le terrain, il suffit d'aller dans n'importe quel établissement pénitentiaire pour l'observer, où vous voyez qui s'y trouve. Je vais juste clôturer là-dessus pour ne pas rentrer dans un débat sans fin, concernant la politique de la ville et concernant justement l'intérêt d'améliorer les conditions de logement. Moi, vous savez, j'ai grandi au quartier du Mirail à Toulouse. J'ai grandi dans une barre HLM, j'étais au 9e étage, dans les années 80, j'y vivais très bien, très sincèrement. J'avais des petits jardins en bas avec des aires de jeu. Mes voisins, c'était des Portugais, des Espagnols. On vivait très très bien. On avait un vivre ensemble qui était parfait. Dans les années 90, 95, la population qui habitait dans ces logements a changé. Une partie s'est embourgeoisée et partie dans de l'habitat individuel et ont été remplacées par des personnes issues essentiellement des personnes originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et en fait, cette catégorisation, on va dire, d'attribution des logements sociaux, parce qu'on les a donnés à des personnes qui n'avaient pas forcément acquis la culture française et les valeurs françaises, et qui petit à petit sont arrivées à des éléments de société qui en ont fait plus des zones tribales, et je vais reprendre votre expression du début, hein, plus des zones tribales où il est devenu la norme de vivre comme on vivait au pays et non pas de vivre comme on vit à la française. Et c'est ça qui a donné lieu à la dégradation de ces endroits et qui font qu'ils sont devenus invivables. Par exemple, quand on a quitté, moi, avec mes parents, cette zone-là, j'avais des ascenseurs qui fonctionnaient très bien pour aller à notre étage, puis à la fin, les boutons des ascenseurs étaient brûlés, certains urinaient dedans, mais qui faisait ça? Les gens qui y vivaient.
avant de mon temps, c'était impensable. Et il faut se poser les bonnes questions. Si vous mettez du neuf à quelqu'un qui dégrade, ça sera toujours dégradé, ça ne va strictement rien changer. Et je vais faire juste une dernière chose sur la laïcité, tant que j'y suis. Moi, je pense que l'être humain, il a besoin de spirituel. Je pense que les grandes unités de socialisation primaire, c'est la famille, la religion et l'école. Hein, c'est ce qui le spirituel, sont les unités de socialisation. Le spirituel n'est pas obligatoire, il y a le non spirituel. Hein. Et en fait, la laïcité, pour moi, ça a été plus ou moins la négation d'une partie de soi et la négation de nos valeurs. La France est un pays judéo-chrétien et je pense que l'excès de laïcité a créé un excès d'athéisme, ce qui a entraîné d'ailleurs des vagues de conversion assez conséquentes dans la population française il y a une dizaine d'années. Et je pense que c'est aussi responsable aujourd'hui de la fracture du vivre ensemble que nous connaissons. Alors, mais on est la laïcité, c'est non, non, enfin, je ne me retrouve pas dans ce discours. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « La France sous nos yeux », qui est un livre très intéressant, alors je ne sais pas si je peux en faire la publicité, mais de Jérôme Fourquet, oui. qui parle d'archipélisation de la France et comment est-ce qu'on est passé finalement d'une société industrielle à une société du loisir et du tourisme. Et on parle aujourd'hui aussi d'une société de la consommation. Mais la consommation, ce n'est pas forcément qu'un gros mot. Moi, je suis aussi libérale pour l'esprit de liberté. C'est aussi d'accéder la consommation pour beaucoup à des beaux vêtements, à aller au restaurant, à avoir des loisirs. Et ça, ce n'est pas... c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'on a essayé de tout opposer. Il fallait, notamment, par exemple, je pense aux écologistes qui étaient dans la décroissance. Moi, je suis pour la croissance et la croissance vertueuse. Et je pense que c'est la consommation qui crée les séparations aujourd'hui. Je vous explique juste comment. L'accès, par exemple, l'accès le non-accès à cette consommation fait qu'on se sent frustré. Et c'est peut-être ça aussi qui crée le séparatisme aujourd'hui. Et c'est le pouvoir d'achat. Et c'est un sujet sur lequel on a déjà traité, donc on ne va pas aller loin. Mais le pouvoir d'achat crée ces frustrations et je pense que c'est par ce pouvoir d'achat qu'on arrivera à refaire ce bien vivre ensemble. Mais alors sur la question de la laïcité telle que le voit Cyril Hermadinkert, ouais. Quelqu'un... Moi je m'inscris complètement en faux avec ce que dit monsieur parce que je pense que c'est une réécriture de l'histoire. Parce que la France, pour moi il y a le triptyque liberté, égalité, fraternité, il faut en rajouter toujours un, c'est laïcité. Les pères de la République, mais je pense qu'il y a certains, effectivement, dans votre mouvement, et notamment votre leader, qui sont complètement à revenir, et on voit d'ailleurs avec l'arrivée de Marion Maréchal Le Pen, sur cette volonté de renier typiquement notre système républicain, et revenir à un temps certainement ancien de la monarchie. Donc c'est vrai qu'il y a un rejet de la laïcité dans cette tendance de la classe politique, enfin dans cette partie de la classe politique. La laïcité, c'est ce qui a permis de construire la République française. S'il n'y a plus de laïcité, on revient à des temps anciens et on pourrait, alors je vais caricaturer à mon tour, on revient aux guerres de religion. Parce qu'on parle souvent de l'islamisme radical, mais on se rend compte aussi qu'il y a des juifs radicaux, extrémistes, il y a des cathos extrémistes, et d'ailleurs qu'incarne bien Madame Maréchal, qui est soutenue par ces catholiques extrémistes, qui sont aux antipodes des cathos que je connais, moi, dans mon environnement, dans ma paroisse, j'ai envie de dire, puisque j'ai une paroisse à laquelle j'ai l'habitude d'aller, eh bien, nous sommes avec des cathos progressistes qu'on pourrait classer dans le côté cathos sociaux, quoi. Donc, on le voit aussi dans la mouvance catholique. On est bien placé pour en parler là, il y a un champ assez large. Et dès qu'on rentre dans un champ beaucoup plus radical, et c'est là où, j'ai envie de dire, les emmerdes commencent. Laïcité, elle se porte mieux depuis la loi sur le séparatisme. Je ne dis pas que la laïcité se porte mieux avec la loi séparatiste. Je pense que la loi séparatiste était un outil dont nous avions besoin, que le président de la République, Emmanuel Macron, a porté lors du discours dans la commune de Monsieur le maire, qui derrière s'est vu appliquer avec un texte qui a été porté par Gérald Darmanin et que j'ai soutenu avec force pour être intervenu plusieurs fois dans l'hémicycle et qui rappelle justement les règles de la laïcité dans le service public, dans l'école. Et rappeler aussi qu'il faut faire éviter les familles qui font de l'évitement scolaire, même si on peut avoir des familles qui font de l'éducation à domicile, il faut le respecter. Mais on le voit bien qu'il y avait un risque, et que c'était de plus en plus constaté dans certaines communes et dans certains quartiers, où il y avait de l'évitement scolaire, et puis également dans les associations, avec cette charte d'engagement républicain que nous devons faire respecter par les associations. Et on a aussi... Roderick Arce, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler. Est-ce que vous voulez réagir ? j'écoute avec attention, et moi, bien évidemment, je suis entièrement d'accord sur ce qui a été dit, notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, on l'a mis en place pour faire nation, parce que la France n'était pas une nation, il fallait la créer, il y avait un État, et donc on l'a créé avec des valeurs qui sont communes, et qui sont partagées au-delà de nos différences.
que ce soit des différences de langue, la France était constituée quand même de régions avec des langues différentes, que ce soit au niveau des différences de religion, hein, il y avait les juifs, les protestants, les catholiques, etc., que ce soit au niveau des différences de territoire, de repas, parce qu'on parle beaucoup dans cette campagne électorale de ce que les Français mangent, donc voilà, toutes ces différences, on a fait nation. Et bien évidemment, la laïcité, pour moi, c'est le point de départ pour arriver à faire, à vivre ensemble. Et donc, sans la laïcité, on retrouve à un moment un sorte de clanisme et on embraye sur une logique qui n'est pas la logique française, qui n'est pas la nation française. Elle est particulière. Et n'oublions pas aussi qu'une grande partie des gens qui sont en France, qui sont venus en France, ils sont venus, certains on a été les chercher, mais certains sont venus en France, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix de la nation française, de ce qu'elle représente et de ses valeurs. Se placer en alors, père. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir sur, pour approfondir cette question de l'unité nationale, qui est notre cœur de sujet, c'est de plutôt passer sur un constat, vraiment un constat de vous comme élu local, et un constat qui vous tient au cœur, que vous voulez exprimer ce soir, et la proposition que vous portez. Je vais commencer par vous, Soizic Perrot. Un constat, c'est qu'on vit là des crises majeures. On a vécu pendant ce dernier quinquennat des crises majeures. On a parlé de la crise des Gilets jaunes, donc une crise de classe sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, les crises sanitaires. Là, on vit la guerre. On le vit à distance, mais elle est encore tout près, elle est dans toutes les images et tout le temps. Et ces crises majeures, est-ce que c'est finalement que ces peurs, que ces angoisses, qui nous font vivre ensemble, qui nous créent, et finalement un président de la République qui va rassembler qu'en étant père, ou une présidente de la République qui va rassembler qu'en étant père ou mère de la nation. Finalement, est-ce que c'est ça? Je pense que c'est pour ça que finalement l'unité nationale, donc liberté, égalité, fraternité, une et indivisible, hein, il faut absolument qu'on soit derrière, mais qu'on donne des c'est pas des moyens financiers, mais c'est comment est-ce qu'on redonne confiance, par exemple, au territoire. Moi, je le vis, puisque je suis élue locale, donc je conseillère départementale, donc on touche à l'action sociale, donc c'est là où aussi on fait le bien vivre ensemble, mais on a été complètement écartés, les élus locaux, des prises de décision, on était dans une forme de un père de la nation, effectivement, mais dans une façon très verticale, hyper centralisée, donc on n'a pas écouté, donc moi je crois aussi demain, donc il y a les élections présidentielles, il y a aussi les élections législatives, et je crois aussi au Parlement, qui va rassembler très la diversité, franchement, des élus français demain dans un Parlement et qui permettra peut-être de redonner ce sens, une forme de cohabitation qui redonnera du sens à travailler ensemble et à nos territoires. Parce que finalement, nous, élus locaux, et je défends, vous allez dire, bah oui, je défends ma paroisse, si pour employer, mais c'est nous, les élus locaux aussi, qui arrivons à faire les gens à être ensemble. Quand on fait vivre la vie associative, quand on fait vivre le culturel, quand on fait vivre le loisir, quand on fait vivre les écoles, quand on construit des choses. Oui, c'est ça. Moi, je pense que faire nation, c'est être ensemble et partir d'en bas. Et c'est le contraire de la... Bah, c'est la décentralisation, finalement. Voilà. De manière... Décentralisation avec des moyens. Mais je suis très agréablement surpris, je vous entends parler de décroissance, je vous entends parler aussi de 6e République, quelque part. Non, je n'ai pas parlé de décroissance, j'ai parlé de croissance. Oui, de décroissance, vous avez dit le mot. Ah oui, je vous ai dit le mot, que je n'étais pas spécialement voilà, pour la décroissance. Mais vous avez parlé, là, vous parlez aussi de 6e République, et vous parlez de lutte des classes, je trouve ça très intéressant. Non, je n'ai pas parlé de 6e République. Et sur, voilà, mais ça, le système présidentialiste actuel est un peu un souci, le désintérêt de la politique, l'abstentionnisme, etc. D'accord. Sont des vrais... sont des vraies questions. Mais, vous, votre constat mon père est néerlandais. Il est venu vivre en France à l'âge de 18 ans. C'est un choix qu'il a fait. Il est venu ici. Moi, je suis binational. J'ai vécu une partie de ma vie à l'étranger, et donc en Hollande, et je suis venu à 18 ans à Paris faire mes études. La mère de mes enfants est autrichienne. Mes enfants ont trois nationalités. Et en fait, ce sont des... mon père a choisi la France, a choisi... Son métier a fait qu'il a voyagé dans le monde, a choisi de prendre sa retraite en France et de prendre sa retraite à Paris avec ma mère. C'est des choix. Et c'est des choix de société. C'est des choix de nation, de civilisation, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut incarner aussi. Et par rapport, en tant qu'élu local, on a, je l'ai dit tout à l'heure, un problème de moyens aussi. Mais les quartiers, on parlait des quartiers, mais les quartiers sont abandonnés. Moi, je suis dans une ville qui est communiste depuis 1923. Pas de chance. On voit bien que la présence communiste dans les quartiers a diminué.
et que parfois, dans certaines villes, elle est remplacée par autre chose. La nature a horreur du vide. Mais par quoi, alors? Ben, parfois, elle est remplacée par... ça peut être du communautarisme, ça peut être... Enfin, voilà. Mais ce n'est pas le communautarisme qui s'est imposé tout seul. C'est aussi parce qu'il y a eu un abandon. Il y a eu des quartiers qui ont été délaissés. Il y a un vrai problème, ça a été dit, de politique de la ville, à un moment. Et derrière ça, il y a des problèmes de moyens, aussi. Vous pouvez tous réagir. Oui, par rapport à ce que l'on dit tous, moi-même, j'avais rédigé pour... deux personnes qui sont devenues présidents de la République, donc Emmanuel Macron et François Hollande. Et j'avais rédigé pour une République de la première chance pour des générations durables, basée sur l'éducation, l'éthique et l'activité et l'autonomie, donc avec tout un tas de propositions. Par rapport à ce qu'on se dit, il faut faire très attention, on a abandonné le terrain. Et quand je dis abandonner le terrain, le terme militant, aujourd'hui ça n'existe plus. Avant, par exemple, quand on cite la mairie de Malakoff, il y avait toujours le vendeur de l'humanité, de PIF, etc. Et il y avait une vraie présence et une vraie conscience collective. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte, dans les années 60, 70, 70 surtout, après 68, il y a toute une main-d'œuvre qui est venue. Toute une main-d'œuvre qui est venue, très jeune en tant que telle, mais on a fait la politique de ceux qui ne les voyaient pas. Et c'est là que, bien évidemment, à un moment donné, quand un groupe de gens arrive, quand un groupe, il se structure, et même il y a eu des erreurs de fait. Par exemple, moi je connais dans une entreprise dans laquelle, par exemple, on acceptait le principe d'une salle de prière pour les musulmans. C'était une inégalité par rapport aux autres. Et je crois que c'était des erreurs comme celle-là, on en a fait beaucoup. Et même il y a des organisations syndicales, de très bons amis, qui ont joué aussi avec ça. Et donc ça veut dire qu'on a créé, sans s'en rendre compte, toute une fracture sociale importante. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, dans tout un ensemble de quartiers, des quartiers se sont vidés en tant que tels. Et j'ai connu des partis politiques, des organisations syndicales, qui disaient « un travailleur est égal devant les droits ». Ce qu'on a fait, c'est que tout un ensemble de logements, ce sont des travailleurs qui les ont pris. Mais des travailleurs éventuellement venant d'autres pays, du Maghreb ou d'Afrique. Et on ne s'est pas rendu compte comment on avait regroupé tout un ensemble de gens. On a regroupé tout un ensemble de gens. Et parallèlement à ça, on a abandonné aussi, par rapport aux services publics, et c'est là qu'on en est arrivé à la rénovation urbaine. Mais la rénovation urbaine, le vrai souci, c'est facile de refaire des murs. Mais alors, François Garret, quelle est votre proposition? Ah ben ouais, c'est assez simple. Aujourd'hui, première proposition, c'est comment on reprend le terrain par rapport de l'âge de 3 à 18 ans. C'est comment on redevient initiatique en tant que tel par rapport à la République. Les religions sont initiatiques. Aujourd'hui, la République n'est plus initiatique. C'est un vrai souci. Un vrai souci. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? C'est à l'école que ça se joue? Ah bah, ailleurs, moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer, donc c'est une proposition que je fasse, dès 3 ans, un parcours citoyen jusqu'à 18 ans, avec des phases en tant que telles, dès 3 ans, 3 ans, 6 ans, etc. On a changé les temps d'âge, 21, 18 ans, 14 ans, 16 ans. On ne s'en est pas préoccupé, on n'a rien changé. Deuxième chose, sur l'activité, ce que je propose, c'est que toute personne qui sort du système éducatif, que ce soit du collège jusqu'à l'ENA, a une activité immédiate. Je dis bien, du collège jusqu'à l'ENA, une activité immédiate. Et c'est l'idéal républicain. Un travail. Alors, une activité avec, bien évidemment, rémunération et travail. Donc un travail. Un travail. D'accord. Mais je parle activité. Mm-hmm. Parce que quand je parle d'activité, tout le monde peut être en activité. On peut, par exemple, être en activité à 65 ans, rémunéré jusqu'à sa mort par une caisse de retraite. Mais vous pouvez me donner un exemple concret d'activité, par exemple? Ah bah, par exemple, aujourd'hui, c'est assez simple. Premièrement, sur les systèmes d'apprentissage. Aujourd'hui, ce que je proposerais, c'est que toute personne qui prend quelqu'un, de collège jusqu'à l'ENA, obligatoirement, on peut considérer que c'est comme s'il se substituait à un lycée professionnel, il pourrait avoir une indemnité de formation de la personne qu'il forme, avec suppression des charges, de telle façon à ce qu'on rentre en activité. Et ça serait bien que les jeunes qu'on forme, et qui sont sans papier, puissent rester en France quand ils ont un employeur aussi. Il y a le cas à côté d'ici, à Malakoff, il y a un boulanger qui a formé un jeune, et cet apprenti, il donne toute satisfaction, il veut l'embaucher. Et il est en reconduite à la frontière. Oui, mais il faudrait que c'est un vrai problème. Sur le vivre ensemble, c'est plus une république qui a deuxième mesure sur la règle, moi je parle pas de règles sont mauvaises, il faut les changer. Attention, dissuasion, répression, sanction et après sanction. C'est plus une république s'il n'y a pas de règles. Obligatoirement, la police, ce sont les arbitres de la vie. Comme au football, l'arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est un tiers de confiance sur lequel on se place pour accepter, justement, de vivre ensemble. C'est ça le principe. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand il donne un carton rouge, il doit y avoir une sanction immédiate le lendemain. Alors, Thomas Ridigoz. Donc le constat,
Lyon n'est peut-être pas la ville la plus frappée par ces problèmes de cohésion sociale, de vivre ensemble, mais il, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quand même des quartiers des, et autour de Lyon, des communes qui, effectivement, ont de plus en plus de difficultés, mais depuis fort longtemps. Je pense que ce problème, c'est là aussi, il faut savoir relativiser quand nous sommes là actuellement dans un débat politique, dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc les uns et les autres, on va sortir nos arguments. Le mandat d'Emmanuel Macron, vous n'avez pas fait assez. Le mandat de François Hollande, et puis on peut remonter comme ça assez loin. C'est vrai que c'est un échec pour de long terme. On parle de politique de la ville. La politique de la ville, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous dans le sens, les moyens, oui, mais les moyens, on en a mis des milliards d'euros sur la table. L'ANRU, qui était un très bel outil, mais on a vu que ça ne faisait pas tout. Moi, j'ai un exemple à Duchère, à Lyon, où le maire de Lyon de l'époque avait mis, grâce à M. Borloo, énormément d'argent, et on a transformé la Duchère. J'y étais encore hier avec un de mes collègues députés, Sacha Ollier, pour ce que nous faisions du terrain, de campagne, pour le président de la République, pour Emmanuel Macron, le candidat, et on se constatait, je lui montrais là, comment c'était devenu quelque chose de qualité. Mais pourtant, c'est là aussi où nous avons eu récemment des tirs sur des policiers parce que des policiers gênaient un trafic de drogue. Donc ce constat, il touche toutes les grandes villes et même des fois des plus petites villes. Alors la réponse, moi, voilà, comme nous sommes dans une émission politique en pleine élection présidentielle, moi je vais rappeler, même si le candidat Emmanuel Macron n'a pas encore tout annoncé, il a commencé à donner quelques axes. Mais j'y crois profondément, et c'est ce qu'on a déjà essayé de faire. Pour moi, les deux axes sur lesquels il faut jouer, il y a l'aspect économique, parce que aussi une des raisons de ce mal-être, de ce déclassement, c'est parce que dans ces quartiers, ces jeunes et moins jeunes n'ont pas de travail, se retrouvent dans la l'oisiveté, se retrouvent sans moyens, sans argent. Donc évidemment, ce sont des proies faciles par rapport à ces dealers, par rapport à ces parrains, entre guillemets, de la drogue qui les recrutent et leur font miroiter beaucoup d'argent. Donc c'est très facile et ils se comparent avec leurs parents qui, eux, sont dans des vies laborieuses, mais leurs parents encore ont ou avaient un boulot. Eux, ils n'arrivent pas à en avoir. Donc je pense que là, on a un vrai travail et ça ne peut être que par l'économie et ça ne peut la véritable économie. Concrètement. Ben, c'est qu'il faut qu'on donne la possibilité aux entreprises d'avoir plus, c'est ce qu'on a déjà fait, hein, puisque vous le voyez actuellement, le chômage des jeunes, grâce aux mesures qu'a prises le gouvernement et le président de la République, est le plus faible depuis 40 ans. Il faut continuer comme cela à enlever, à réduire les charges pour les entreprises, parce qu'on a besoin d'avoir une activité, une croissance économique et pas une décroissance. Je crois vraiment à la croissance économique pour permettre justement d'embaucher et dans tous les endroits, et pas que pour les gens les plus formés. C'est là aussi, je vous rejoins, François, sur l'apprentissage. Vous parliez de l'apprentissage, c'est essentiel. On a fait beaucoup pour l'apprentissage, il faut continuer. Et l'autre outil, enfin, ce n'est pas un outil, mais l'autre chantier qui est prioritaire et qu'Emmanuel Macron a commencé à développer, c'est l'école. Je pense qu'on a effectivement une situation qui est très difficile dans l'école. Moi, je le vois dans ma commune de Lyon. On a vu de plus en plus dans certains quartiers des parents enlever leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans l'école privée. Moi, je suis évidemment favorable aux deux systèmes éducatifs. Mais on le voit, il y a vraiment des vases communicants qui vont plus que dans un sens. Et moi aussi, quand je me rappelle dans ma jeunesse, dans l'école publique Joliot-Curie dans laquelle j'étais, effectivement, il y avait cette mixité. Et maintenant, on l'a de moins en moins. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à l'école au sens large, mais tout particulièrement à l'école publique. Et il faut mettre un effort tout particulier sur le système scolaire. Mais c'est d'abord il faut arrêter la sectorisation. C'est pas la faute de l'enseignement privé. C'est pas la faute de l'enseignement privé. C'est pas ce que j'ai dit. Pas du tout. Non, je dis que du fait de difficultés, du fait de transformation peut-être de la population dans l'éducation publique, certaines familles ont décidé n'ont plus cette volonté que moi j'avais de quand j'étais jeune, où nous avions cette mixité et elle a commencé à disparaître. Donc il faut qu'on puisse redonner des moyens à l'école pour qu'on continue à avoir ce lieu de formation essentiel. Alors moi, je suis très à l'aise aussi pour en parler parce que je suis enseignante de l'éducation, enseignante dans le public. Mais on ne va pas refaire le débat sur l'école qu'on a déjà eu, mais aujourd'hui aussi, à l'école publique, il y a tout dépend si, on a parlé de l'autonomie des chefs d'établissement, et tout dépend si des chefs d'établissement, des règles qui sont posées à l'école, mais aussi on est dans une forme d'égalitarisme, on veut finalement l'égalitarisme, et pour moi, l'égalitarisme, c'est aussi le nivellement par le bas. On ne tire plus les jeunes pas assez vers le haut, on a mis par exemple beaucoup de CCF, de contrôle continu, donc on valorise plus le travail, on valorise plus l'effort, on met du sans-note aussi, on valorise plus les efforts.
Donc il y a plus cette reconnaissance. Oui. Donc on va s'éloigner, mais je suis. Alors j'entends hein, les grands chantiers. Bah finalement, le candidat président de la République, Emmanuel Macron, est aujourd'hui candidat, mais il y a aussi un bilan de 5 ans, il y a quand même des actions. Moi, j'aimerais avoir le bilan d'actions concrètes sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, on n'a jamais eu autant d'apprentis, on a multiplié par 4 le nombre d'apprentis. Sur l'apprentissage, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et moi je le vois dans l'enseignement faire encore, public, raison, il y a aussi des élèves qui ne peuvent pas être apprentis, il y a des élèves, comment est-ce qu'on favorise les stages aussi, comment est-ce qu'on favorise les stages en entreprise, comment est-ce qu'on met du lien avec les entreprises, et là, il y a d'énormes efforts à faire de l'école publique vers l'entreprise. Parce que souvent, l'entreprise, c'est un gros mot à l'école publique. On le voit dans les livres scolaires. Hein. Dans les livres scolaires, la façon dont on parle de l'entreprise, elle est très mauvaise. Le chiffre n'a jamais été aussi élevé. Cyril Lémard-Dunker, votre constat et votre proposition. Bon, je vais revenir un peu sur tout ce qui a été dit, point par point. Bon, concernant l'apprentissage, moi, dans ma région, mon constat d'homme politique et de conseiller régional, c'est que nous, l'apprentissage est en plein essor. Que ce soit du fait de la région, des opérateurs de compétences, tous les acteurs de l'apprentissage vont dans le bon sens pour l'instant. Il y a beaucoup à faire, c'est vrai, c'est un gros chantier, mais ça, c'est quand même quelque chose, on va dans le bon sens. Concernant l'école publique ou les écoles privées, je prends un exemple pareil, très concret, mon expérience du terrain, mais là, municipal. Dans l'école maternelle où j'ai ma dernière fille qui est scolarisée, elle est chez moi une maternelle, on leur apprend aujourd'hui la normalité d'avoir deux papas ou deux mamans. Il y a des parents d'élèves qui acceptent mal cet apprentissage de ce qui, jusque dans les années 80, était vu comme une forme de déviance. Et là, le fait de partir dans l'enseignement privé, c'est la seule possibilité d'échapper à ce type de programmes scolaires qui sont imposés. Alors, il y a une liberté, bien sûr, hein, de l'ensemble des professeurs en conseil des maîtres, de savoir comment ils vont appliquer tel ou tel principe ou tel sujet. Mais quand on arrive à ce genre, pour moi, de dérive, parce que pour moi, c'est une dérive, on peut comprendre que certains partent vers de l'enseignement privé, qui est la seule option, voire même sur de l'enseignement à domicile. Et bon, oui. Je clôt là sur la partie école, maintenant sur le vivre ensemble et sur, justement, un peu tout le reste. Moi, j'ai une solution qui marcherait très, très bien. C'est simplement d'appliquer la loi partout, de la même façon, pour tous, telle qu'elle est prévue. Le code civil, le code pénal, il ne regarde pas la religion, il ne regarde pas la couleur, il règle tous les problèmes par la loi. Mais le problème, c'est qu'il faut l'appliquer, la loi. Il faut l'appliquer partout de la même façon. Moi, j'ai du mal à entendre qu'on ne peut pas sanctionner des délinquants et du coup perdre le caractère éducatif de la sanction, notamment chez les mineurs, parce que les prisons sont pleines, parce que les établissements pour mineurs sont pleins, parce qu'on ne sait pas comment on va les réinsérer ensuite, parce qu'on n'a pas les moyens économiques de prendre en charge ces sanctions. Et du coup, ça donne un sentiment d'impunité, de laisser aller, qui normalise des comportements qui sont tout ce qu'il y a de plus déviant. Et moi, je pense que l'application de la loi viendrait tout résoudre. Je fais rapide sur un dernier exemple. Une fois, je débattais contre une représentante du collectif Urgent la police assassine qui me disait que les policiers ne devraient plus rentrer dans les quartiers parce que les policiers étaient dangereux pour les habitants des quartiers. La personne qui me disait ça, Mal Bentounsi, me dit « Moi, je rentre dans tous les quartiers. Comme je veux, je n'ai jamais de problème. » Et lorsqu'elle me disait ça, et là, l'exemple est parlant, hein, notamment pour les Mureaux, parce que j'ai pris l'exemple de Trappes, mais c'est un peu le même, je lui dis « Moi, à Trappes, vous ne rentrerez pas comme vous êtes là. » Elle me dit « Pourquoi, monsieur ?» Parce qu'elle portait un décolleté plongeant, une mini-jupe qui était ici, et que dans des certains quartiers, on va lui dire un avertissement, ma sœur, habille-toi décemment. Et si elle ne le respecte pas, elle sera totalement lynchée et sortie du quartier. Donc, et ça pourquoi ? Parce qu'on ne respecte plus le vivre ensemble, on ne respecte plus justement les lois. Parce que les personnes qui vont lyncher des personnes parce qu'elles sont habillées de façon trop légère pour elles, ça n'est pas respecter le vivre ensemble, ça n'est pas respecter la loi de la liberté de chacun de pouvoir être comme il l'entend. Et moi, voilà, ma solution, elle est appliquer les lois, la loi telle qu'elle est, et tout le monde vivra beaucoup mieux. Les outils existent déjà. Alors les outils existent, et les rapports parlementaires, je reviendrai juste rapidement là-dessus, je prendrai par exemple le rapport de 2009 qui m'avait marqué quand j'étais à Sciences Po, le rapport Benisti, qui faisait un constat justement de l'évolution des carrières déviantes. Et ça prenait l'exemple d'un enfant issu d'un quartier défavorisé qui allait connaître une carrière déviante entre 0 ans, 3 ans, 3 ans, 6 ans, 6 ans, 12 ans, avec chaque étape. Petit à petit, la déscolarisation, l'usage de drogues récréatives, le passage à la délinquance. Ce rapport, il est très bien fait. Il n'émane pas de quelqu'un d'extrême droite. Mais pour autant, le constat qui est fait dans ce rapport, il n'a donné lieu à aucune action. François Garret, une réaction ?
Bah écoutez, la réaction, j'entends, hein, d'ailleurs je ne suis pas trappe en tant que tel ni les murs, parce que la différence que nous avons, c'est qu'aujourd'hui nous sommes multiculturels dans les quartiers. Par exemple, j'ai une forte communauté mandjak qui est catholique, j'ai d'autres communautés qui sont par exemple maliennes, musulmanes, et d'autres qui ne sont pas du tout religieux en tant que tel. Je rappelle aussi assez fréquemment, parce qu'on l'oublie en France, que nous sommes 40% de non-religieux quand même. Donc on l'oublie ça. On a l'impression qu'avec la religion, les 60% qui peuvent vous êtes décider pour la totalité. Non, c'est quand même un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 40% à ne pas être... on ne nous reconnaît pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose. D'ailleurs, on n'a pas de lieu éventuellement pour nous réunir, mais nous, on accepte, on n'en veut pas. Il y a un temple républicain. On a des mairies. L'hôtel de ville, non, mais c'est autre chose. L'hôtel de ville, c'est pour tout le monde. L'hôtel de ville, c'est pour tout le monde. La France est chrétienne à la base. C'est pas un temple en tant que tel, il faut faire attention. La France est chrétienne, c'est notre histoire. Là-dessus, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui est fondamental. Bien évidemment, il y a l'éducation. Mais l'éducation vient aussi bien dans le temps de l'école que hors du temps de l'école. Et donc, pour ma part, il devrait y avoir entre 3 et 16 ans ce que j'appellerais un passeport ou un parcours éducatif dans lequel on mesure à la fois le temps de l'école et hors du temps de l'école. Par exemple, c'est quelque chose que j'avais proposé à un moment donné, un carnet sportif dans lequel, bien évidemment, l'enfant peut faire du sport à l'école, mais aussi, ça peut être intéressant de voir ce qu'il fait comme activité en dehors. Le deuxième point qui me semble important, c'est la notion de la règle. Aujourd'hui, c'est toutes les règles, toutes les délinquances. Par exemple, quand quelqu'un en urbanisme vous fait un mur qui doit être à 2 mètres, il vous le fait à 2 mètres 20, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, par exemple, moi, en tant que collectivité, je vais dire, faut le démolir. Je passe au tribunal administratif, on me dit, faut trouver un compromis. C'est-à-dire que c'est un délinquant aussi, en tant que tel. C'est des formes de délinquance. Et donc, là-dessus, on ne se rend pas compte comment toutes les règles, on a toujours été, et ça, c'est un problème en France, toujours à essayer de dire... C'est vrai que j'ai enfreint la règle, mais il faudrait trouver une solution pour accepter ce que j'ai fait. Je vous suis complètement... Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a aussi la notion de sanction. C'est une discussion que j'avais eue avec monsieur le ministre de la Justice, monsieur Dupond-Moretti en tant que tel, avec madame Belloubet, etc. C'est la notion des petites incivilités. Des petites incivilités. Et moi, je suis pour la réactivation des petits tribunaux d'instance. Des petits tribunaux d'instance. Avant, dans chaque chef-lieu de canton, il y avait un tribunal d'instance. C'est vrai. Et une petite incivilité. Par exemple, si je vous vole votre portefeuille, c'est pas normal que le lendemain, on ne puisse pas me juger dans la semaine. Et ça, c'est quelque chose, je pense, aujourd'hui, qu'il faut adapter aussi. Adapter peut-être des petits travaux d'intérêt général, peut-être des travaux compensatoires, pour qu'on sente quelque chose. Parce que si on ne fait rien, moi, je vois, par exemple, on a mis une plateforme justice dans laquelle chaque sortant de détention, je les reçois, et sous la forme du volontariat, et on leur trouve une activité pendant un an. Ce que vous faites au Mureau ? Oui, au Mureau, professionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'était un exemple d'idée. Sauf qu'aujourd'hui, la question, quand on commence à faire un travail comme celui-là, on ne sait pas si toutes les affaires ont été traitées. Et c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait être capable, dès la première incartade, on doit juger. Par exemple, au football, quand on a un carton rouge, on est jugé immédiatement. Et ben justement, il faut rénover les moyens de la justice. Je suis d'accord sur relever les moyens de la justice, mais comment voulez-vous faire rêver les jeunes si dans notre système actuel, leurs idoles sont des footballeurs qui gagnent des millions ou autre chose comme ça, et surtout si certains élus ou personnes qui dirigent de grandes entreprises sont impunis? Et là aussi, ça pose un problème. Oui. Nous avons quand même un ministre, voire des candidats, qui ont des accusations d'agression sexuelle. Qui vient d'un pays nordique. Quel ministre ? Dans les pays nordiques, M. Darmanin, on peut en parler. M. Darmanin, mais il a été... Si vous voulez, moi je viens d'un pays... Une moitié de moi vient des pays nordiques. Dans votre politique, je pense que... Ne commencez pas sur ce terrain-là, je trouve que c'est très malvenu. Mais écoutez, laissez-moi terminer. Mais je vous sens terminer quand même. Vous avez dans votre famille politique des responsables politiques qui, eux, ont vraiment des affaires de justice pour des agressions sexuelles et je vous ferai dénoncé déjà. Comment vous, c'est pas une question Monsieur de n'importe quoi. Comme ça, en balançant en pâture. Mais vous énervez pas, c'est pas si grave que ça. Dans les pays nordiques, ça ne se passerait pas comme ça. Un élu doit être exemplaire. À la moindre incartade, à la moindre déviance possible, la personne doit démissionner. Elle part même d'elle-même.
Mais donc, en France aussi, il faut que nous, les élus, on soit exemplaires. Mais l'unité nationale, c'est aussi, quand on veut faire nation, on doit donner exemple. Les gens doivent se reconnaître dans la nation française. Et nous, les écologistes, d'ailleurs, on est plus sur une question du fédéralisme. Hein. On est pour une Europe fédérale. Hein. On pense qu'il faut aller au-delà de la question de la France. Et il faut aller dans une Europe fédérale. Et on voit bien, avec, avec l'Ukraine, actuellement, la question, elle est au niveau de l'Europe. Et on voit bien dans l'actualité au niveau de la Corse. Actuellement, les Corses, qu'est-ce qu'ils demandent? Est-ce qu'ils rejettent la nation? Ou est-ce qu'ils sont, par rapport, ils veulent la reconnaissance du pays corse? Mais par contre, ils ne rejettent pas l'État français. On va parler d'unité nationale, très clairement. Alors, j'entends le discours un peu moralisateur, très de gauche. Hein. J'évolue dans un milieu de gauche, puisque je suis enseignante, hein, mais je peux vous dire très moralisateur. Pourquoi la gauche pour les autres. Moralisateur pour les autres. Et la droite, avoir des football, valeurs, le football et les gens qui gagnent de l'argent. Mais la droite, t'es pas liée à la morale. Ceux qui gagnent de l'argent. On est dans un pays où, heureusement qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent pour payer aussi le modèle social. Comment voulez-vous qu'un jeune... Le football, c'est l'unité nationale. Moi, ce que j'entends, c'est que sur le sujet de l'unité nationale, finalement, au niveau local, vous fourmillez d'idées. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'initiatives. Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir ces échelons locaux de politique locale et leur donner plus de moyens? Complètement. C'est important quand même. Il y a des rôles régaliens qui sont de l'État. Et donc, bien évidemment, au niveau des communes, nous, communes, communautés urbaines, etc., c'est important. Mais demain, la justice, c'est quand même un rôle régalien de l'État. La police, c'est un rôle régalien de l'État. Donc, l'éducation aussi. Et c'est un manque de moyens. L'éducation est un rôle régalien. Non, c'est pas qu'un manque de moyens. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la santé, c'est un rôle régalien. Donc, ça veut dire qu'aussi, il faut que l'État, en tant que tel, reprenne la dimension de ce que sont les rôles régaliens de sa part. Après, si on dit des décentralisations vers les régions, etc., parce qu'on n'est pas un pouvoir régional en tant que tel, pas du tout, pas du tout. On est très jacobin et centralisateur. D'ailleurs, on le voit dans un système présidentiel. Mais il y a l'importance des corps intermédiaires, non? Les corps intermédiaires, il ne faut pas se leurrer. En tant que tel, les corps intermédiaires ne jouent pas toujours leur rôle par rapport à l'architecture de l'État en tant que tel. Et c'est vrai que quand on prend les rôles régaliens, et notamment dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de cabinets d'administration, souvent ça se fait en chambre à Paris. Par exemple, vous avez des inspecteurs généraux qui réfléchissent aux 36 semaines de l'éducation nationale. Je suis complètement d'accord avec le... Ce que je voulais juste dire, c'est que malgré tout, cette unité nationale, on la vit des fois. Il ne faut pas non plus croire qu'en France, on n'aurait pas d'unité nationale, contrairement à peut-être d'autres pays européens ou sur d'autres continents. On l'a vécu, malheureusement, c'est en période de crise, mais la première vague de l'épidémie de Covid, on a vu des Français qui ont été unis. On sortait d'une crise sociale comme jamais on avait eu. Hein. C'est vrai que cette crise des Gilets jaunes nous a frappés très, très, très violemment. Et on pensait que les Français... Beaucoup de pays, justement, nous analysaient comme un peuple de protestataires, d'irréductibles, révolutionnaires. Eh bien, on a vu un peuple qui a respecté, beaucoup mieux que d'autres pays, d'ailleurs. Souvent, vous donnez l'exemple de l'Europe du Nord. C'est vrai que très souvent, on donne l'exemple de l'Europe du Nord, où ils sont beaucoup plus disciplinés, où ils ont une éthique qui est différente de la nôtre, effectivement. Mais là, on a plutôt été, je pense, exemplaires. Et là, sur la guerre en Ukraine... À nouveau, on voit quand même un pays qui fait corps et qui transcende d'ailleurs les problématiques politiciennes. Et voilà. Alors, je ne me fais pas d'illusions, hein. Très vite, on va revenir à nos guerres partisanes, mais on voit que ce peuple français est capable d'unité nationale. Il ne faut pas non plus voir les choses comme négatives. On est d'accord sur les fondamentaux, comme on a dit au début, liberté, égalité, fraternité. Oui. Ce sont nos fondamentaux et tout le monde y croit, tous les corps de la société y croient. Finalement, la division nationale, ça ne concerne qu'une élite politique. Qui n'est pas d'accord et finalement les Français majoritairement, moi c'est ce que je ressens aussi sur le terrain, c'est des gens qui on est d'accord sur la plupart sur le régalien, sur l'économique, sur le travail. On sent quand même qu'il y a des sujets qui font sens, qu'il faut unité. Et je reviens parce que j'y tiens sur le football. Le football, voilà, c'est le sport et le sport en général, mais le football,
On parle de Coupe du Monde, par exemple, et là on a un sentiment fort d'unité nationale. Donc le football, c'est aussi important. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que le football, vous avez deux pays africains qui s'affrontent, et qu'à la fin, vous avez les Champs-Élysées qui sont dans le chaos le plus total. Et ça, ça vient du foot. L'unité du foot, elle se crée. Moi, je l'ai observé qu'à un seul endroit, c'est à Marseille. Vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il est, vous dites les Marseillais, quelle que soit sa couleur, sa religion, ce qu'on veut. Mais il n'y a que là-bas. Mais dans ma ville, il y a deux clubs de football, c'est pareil. Ce que je veux dire aussi, il y a quelque chose qui, en ce moment, sur le terrain, je ressens globalement. On parle beaucoup de démocratie. En deux mots. Est-ce qu'un bulletin de vote vaut le coup? Oh. C'est ce que je ressens que les gens me disent. Ça pose la question de l'abstention. C'est pas mon avis. L'abstention est un vrai sujet, effectivement. C'est pas mon avis, mais c'est la... pas compris. Alors, justement, je vais vous citer la phrase des évêques de France sur l'abstention, parce qu'ils ont donné une consigne aux catholiques de France, et c'est celle-ci. S'abstenir de voter est un manquement à la responsabilité qui incombe à chacun à l'égard de tous. Ça, c'est donc ce que disent les évêques de France pour l'élection présidentielle, vous en tant qu'élu, en deux secondes, sur l'abstention. Alors moi, je dirais, il faut réformer aussi le système. La reconnaissance du vote blanc, c'est important. Si on reconnaît le vote blanc, on permet aussi aux citoyens de s'exprimer en disant, ces élus-là que vous me proposez, je n'en veux pas. Et ainsi, ça permet de renouveler la classe politique. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à de la proportionnelle sur tous les scrutins, parce que ça permettrait d'avoir une vraie représentativité. Aujourd'hui, on a une crise de la représentativité. Les gens ont l'impression qu'ils ne votent pour rien, parce que quand vous avez deux candidats qui ne vous représentent pas, vous ne pouvez pas vous faire entendre. Thomas Rudigoz. C'est un travail de tous les instants que nous menons, mais c'est vrai qu'on a ce taux d'abstention qui malheureusement progresse. J'avoue aussi que je suis pour un renforcement de la proportionnelle. François Garret. C'est très clair, une vraie coalition nationale doit avoir de la proportionnelle pour que finalement on soit représentés un peu tous, sinon ça pètera socialement 2023. Moi, la proportionnelle, je suis très mitigée. Le scrutin de liste, pour moi, ce n'est pas représentatif d'un territoire. Je préfère une élection sur un nom, sur des personnes qu'on connaît, qui ont un ancrage local. Et pour moi, sur l'abstention, voter, c'est choisir. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission et puis ce petit excursus sur l'abstention. C'est important parce que c'est la dernière émission avant l'élection présidentielle. Mais nous avons pu tous entendre votre plaidoyer comme élus locaux pour lutter contre la fracture de la société. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet kto.tv.com. Je vous dis rendez-vous le mois prochain. We'll be right back.